Bonjour à tous, c'est Trail pour la chaîne Imaginaire, on se retrouve sur XCOM 2 War of the Chosen. Donc on venait de finir une mission relativement difficile, hein. On a quasiment plus de soldats disponibles, soit ils sont fatigués, soit ils sont blessés ou en mission secrète. Donc j'espère qu'on n'aura pas de mission avant la fin du mois. Le tableau de chasse commence à être impressionnant. 89 ombres, 7 commandants, 34 soldats de veine, 12 lanciers, 2 spectres. Le soldat blanc, je sais pas comment il s'appelle. C'est deux. Un codex. Quatre berserkers, 11 goliaths, 10 anonymes, 6 vipères et 14 sectoïdes. Ça commence à être pas mal. Bon. Alors, niveau construction, on n'avait pas grand-chose à faire. De toute façon, on n'a plus du tout de ressources. Donc je pense que ça va être une mission de gestion de base. Alors les ressources ça m'intéresserait bien, mais je veux absolument essayer d'établir le contact Impressionnant. avant le ravitaillement. Je n'ai jamais aimé chasser ces créatures extra-dimensionnelles. C'est très agaçant. Mais ça va être bon. Des extraterrestres continuent d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Le relais de puissance est opérationnel. Ok, donc en termes énergétiques, ça a dû faire du bien. 33. On est pas mal, on a récupéré plein d'ingénieurs de libre. Je sais pas si je peux aller creuser directement. Oui, on peut. Pourquoi j'en ai qu'un? J'en avais 3 dans le roi de puissance. Pourquoi je m'en retrouve? Ah, j'avais peut-être réduit qu'à 1. C'est plus ce qu'on a au terrain d'essai. Grenade 5 jours. Ah, on a un ingénieur qui est là en fait. On peut finir le déblayage de débris. On verra tous les ingénieurs là. On n'est pas bien au niveau du projet Avatar. Hein. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Les extraterrestres. Alors, lance-grenade avancée. Nouveau projet disponible au terrain dessin, grenade plasmique. Ah, j'aurais peut-être dû faire un grenade plasmique. Personne ne supporterait, ne serait-ce que la. Lance-grenade. D'autres lance-grenade avancée intègre une technologie magnétique permettant de lancer une grenade plus loin qu'un lanceur conventionnel et d'augmenter la zone d'effet des projectiles. Ok. Nous avons conclu que pour progresser dans la conception de grenades, le meilleur moyen était d'oublier les composants habituels. Je sais plus ce que c'est libère. On peut pas aller faire cette recherche, ce qui est très 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 embêtant, je pense. C'est l'analyse CEM. Je devrais maintenant être habitué à voir ces assemblages de matériel génétique humain et extraterrestre. Mais je dois dire que cette créature reptilienne, au trait proche d'un humain, est très déconcertante. Les rapports de l'invasion mentionnent bien une espèce possédant des traits reptiliens, mais rien d'aussi net que cette créature. L'élu que nous connaissons comme le... Nos peuples semblent s'entendre à merveille, commandant. Ok, gain d'XP, gain d'XP. Ah, on a une promotion apparemment, ce qui est pas mal, et on a récupéré 97 de ressources, c'était ce que je voulais. Ok. Donc ça pourrait être pas mal. De le lancer. Ralentir la progression avatar. Par contre, ça fait super mal. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir une embuscade et un soldat blessé. Pas terrible. Là, on peut gagner un contact avec la résistance, ce qui me permettrait de switcher le.
On peut pas chercher l'installation. On va mettre Maxine Fadval et Winna Volkova par exemple, ou Pervin. Ou le Templier. Embuscade, ça veut dire qu'ils vont se retrouver que tous les deux contre un élu? C'est trop faible d'envoyer un soldat et un sergent, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas envoyer de major de toute manière, j'ai plus personne, je crois. Ah si, j'ai des majors que j'ai récupérés. Je vais pas les envoyer parce que tous les autres, si j'ai une mission au début de mois. Je crois que ça va quand même être la meilleure possibilité. Hein. Débloquer la mission forteresse de l'élu. Ça veut dire que je la débloque et je la fais quand je veux, ou est-ce que ça veut dire que je suis obligé de la faire? Je la ferai bien au courant du mois prochain plutôt. Ça m'intéresse le contact quand même. C'est soit le contact, soit ralentir la progression du projet Avatar. Là, c'est moins dur. Ouais, c'est moins dur celle-là. Donc, c'est soit celle-là. Soit ça, je pense. Yeah.
On a récupéré pas mal de sergents. Quand même garder Duncan pour une mission. Darkunova, elle est blessée. De toute façon, il nous faut un ranger parce que... Alors, je vais aller voir ce que je peux débloquer ici. Alors, pour Alix O'Manon, 5 points. On peut à la rigueur lui débloquer quelque chose. Lancer une pluie de balles qui atteint obligatoirement leur cible en échange d'une grande quantité de munitions. Deux cols de combat, c'est pas mal aussi. C'est moins intéressant maintenant que j'ai les scans. Là, je débloque les deux contre une grosse consommation. D'ailleurs, j'ai consommé 15. Lui, il a plus rien. Et là, 6 points. Ça peut valoir le coup de lui débloquer quelque chose. Je pense qu'elle sera pas furtive au début du... Ça, c'est pas mal aussi. Et tirer à l'arme lourde, ouais, c'est moins intéressant. On va lui prendre l'attaque furtive. Les frères d'armes avec qui? Jeannette Santiago. Il n'est que caporal. Lui, les frères d'armes avec qui? Ian Kennedy. Et Paul Desmond. Ok. On va toujours recharger, faire le protocole de combat. On va lui prendre plus de balles, jamais essayé. On va essayer de se donner le maximum de chance. Alors c'était ça. Hein. Donc, plus 4 en piratage. Ouais, ça devrait être pas mal. Le Gremlins, le soin, la bombe glaciale. On va prendre Paulina Volkova. La balise est leur. L'élu est immunisé contre la flèche, mais... Pas sûr à d'autres ennemis. Ah c'est ça, je suis l'armure araignée, j'ai oublié de la donner tout seul.
Bon, on va y aller comme ça. Alors, Anna Ice. Des armes dispo. Il est où bourreau? Auto-chargeur avancé, ah, c'était mieux ça. Bon, on va prendre la lunette. La visée augmente de 10. Classe. On attribuera l'auto-chargeur avancé à une arme ultérieurement. On a des ingés disponibles. Donc j'ai dit, je pense que ça sera qu'une vidéo de gestion de base. Il va falloir qu'on l'améliore. Plus, c'est dommage. Là, ça c'est quand même pas mal, hein. Ça consomme beaucoup de ressources. Visée plus 10, les tirs en mode vigilance et tirs réflexes peuvent infliger des dégâts critiques. Il va falloir quand même débloquer ça. Hein. En contact, il m'en reste encore 2 à aller chercher. Je pense que j'y arriverai pas dans le mois. Si je détruis ça, ça va me consommer 100 de ressources, une infirmerie. Bien réussir à ça, construire la salle de décryptage. Là, il faudrait une infirmerie. On va construire en premier avant de changer la place du centre de com. Si on y arrive dans le mois. Ce n'est pas gagné, gagné. Pour envisager la construction d'un atelier ici. En ressources, en puissance, on n'a plus trop à s'inquiéter pour l'instant. 269 de revenus. Bon, on va aller débloquer ça, notamment parce qu'il y a un spécialiste qui est en mission. Tout changer quand même. Bon, on arrive dans le froid sibérien, ça fait pas beaucoup de ressources. Nouveaux contacts régionaux trouvés. Ok. Commandant, les forces de la résistance que nous venons de contacter dans la région nous ont fourni toutes les infos qu'elles avaient sur l'élu qui sème la terreur dans cette zone. Vous venez donc pour m'attaquer? Un nouvel élu dévoilé. Je vous attends avec impatience, commandant. Tueur de lumière sorcier, commandant la résistance nous a informé que Conmon Naylor, l'un des élus, avait pris le contrôle des régions à proximité. Si nous partons ici en ce secteur, il y a de fortes chances. Ok, que nous tombions face à lui. Ok.
Alors j'ai cru qu'on avait libéré, mais non, c'est le sang des escarmoucheurs. Oh là, il y a une installation secrète, mais elle est vraiment loin. De toute manière, on va se déployer par là. Hein. Alors le bonus Asie, c'est quoi? La prise de contact avec la région est instantanée. Oh, il faut quand même que qu'on se concentre. La prise de contact avec la région est instantanée, c'est énorme. Il nous reste 2 jours. Est-ce que je vais commencer à travailler sur ce contact? De toute façon, j'arriverai pas à avoir les ressources avant la fin. J'aurais pu avoir grand-chose de ce qui est sur ce réseau. Est-ce que j'ai assez pour commencer à contacter cette zone? Commandant, pour le moment, nous manquons encore d'informations pour connaître la position des membres de la résistance 80 dans en cette région. renseignement. De toute manière, je pense que ces trois régions, ça fait partie de l'Asie. Donc si je construis là. Ah, 150 de ressources, c'est énorme. Ok, de toute manière, il faudra le faire. On va aller au marché noir. Calcul du nouveau cap du Talion. Voir si on peut acheter quelque chose. Je crois qu'il n'y a rien de mieux à faire. Le marché est ouvert. Bon, ben on avait tout acheté, hein. Alliage extraterrestre, cadavre de soldats de veine, cadavre de sectoïdes. Alors ça, j'en ai peut-être plein. Suffisamment pour que ça vaille le coup de les vendre. Donc on en tue beaucoup. Pour démarrer la tour, il me faudrait 150. Ah, c'est peut-être jouable. On va pas manger les cristaux des armes parce que c'est quand même utile. Qu'est-ce qu'on a beaucoup? De toute façon, cadeau de Goliath, je suis parti de toute manière pour faire les. On va quand même de me dépouiller, mais. Sur l'Arctique. 9 jours finalement, j'ai pas de chance. Alors la salle de décryptage c'est 125. Consomme 5 en puissance. Okay. Franchement, pour l'instant, je suis pas sûr. Alors, je peux améliorer le cercle, on va faire ça tout de suite. Pourquoi je peux pas le construire? Pas. Améliorer, j'ai un bouton à côté. Pourquoi là je peux pas?
Ah, c'est parce que je les ai déjà en fait, ça se construit pas. Condition d'amélioration 102 énergie. Débloque un emplacement supplémentaire, mais. Il faut peut-être qu'il n'y ait pas de mission. Bah, de toute façon, je suis pas pressé là par cette mission, donc on va. Plutôt aller là. Ou plutôt pressé par le déblayage des salles. On remettra un mec après. Ou on passera du terrain des salles là. On est repassé à 6 jours, donc c'est tout à fait raisonnable. C'est une étape importante dans nos recherches. Je trouve pour le moins inhabituel. Médecine de combat. Okay, je pense que ça sert. Médecine de combat, le venin qu'injecte la vipère à ses victimes est redoutable de faire tomber même le plus coriace des soldats. Pour autant, il contient un certain nombre d'enzymes que nous pouvons isoler afin de les intégrer à nos medikits pour une meilleure congélation du niveau des blessures. Ok, ben on va continuer. Hein. Après avoir examiné l'unité spécialisée d'Advent baptisée Purificateur, j'ai découvert que les glandes thermorégulatrices du sujet avaient été génétiquement modifiées. Ces modifications, en plus de leur armure spécialisée, permettent aux purificateurs d'être quasiment immunisés contre la chaleur. Les extraterrestres disposent de ressources considérables. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours parvenus à nous défendre malgré nos limitations. Carence de renseignements, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les renseignements sont une source importante. Pour avoir plus de renseignements, utilisez des tablettes, lancez un scan avec le talion au QG des faucheurs et vous recevez des renseignements réguliers. Certaines missions concernant les missions du conseil. Il va peut-être falloir qu'on aille scanner le QG des. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire aussi. Un message prioritaire pour vous, commandant. Je l'affiche sur l'écran. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois, commandant. J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès. J'admire votre ténacité. Mais à ce rythme, vos jours sont comptés. Et réfléchissent à la même chose, tenter de saboter le talion. Okay. Bon, c'est la plus inquiétante, il va falloir qu'on s'en occupe. On n'a pas beaucoup de renseignements, mais je vais révéler quand même. D'accord, donc on va avoir une représailles dans 4 semaines. Et dans 2 semaines, construction extraterrestre. Tous les soldats d'Advent ont une chance de revivre sous la forme de zombies psioniques après leur mort. Oh, ça c'est pas cool. Les soldats d'XCOM subiront les pertes de volonté plus importantes au combat. C'est pas cool non plus. Alors là, on a débloqué un paquet de trucs. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Ça m'intéresse moins. Un soldat de la résistance susceptible de rejoindre les squads XCOM à chaque mission. Ça peut être pas mal. Les attaques psioniques lancées contre les XCOM infligent des dégâts à l'attaquant. Ça peut être pas mal. La vitesse de récupération de volonté. Alors c'est ça ou c'est ça. Ça m'intéresse moins pour l'instant. Alors la volonté, ça permettrait d'avoir des gens moins fatigués. Ça peut être puissant quand même. Hein. Alors
l'instant, on s'en est sorti sur la volonté. Ah, on risque d'avoir quand même ce truc qui baisse la volonté. Bon, on va quand même rester comme ça. C'est plutôt pas mal, je pense. Les Templiers obéiront. Alors, est-ce que je finis le relais? Est-ce que je vais avoir besoin de ressources? Peut-être pour construire 2-3 trucs, mais c'est même pas sûr. Commandant? Fabrication d'objets. La pas pour l'instant, ça m'intéresse pas, ça non plus. La sphère de survie non plus. Le champ de réfraction non plus. Niveau des armes, il y a la rigueur, le lance-grenade avancé. Les armures, j'ai ce qu'il faut. J'ai Et pu au niveau des examiner de plus près constructions, certaines ah, je armes de pourrais construire Drake utilisées l'infirmerie à sur la le terrain. rigueur. L'alliage utilisé C'est est pas beaucoup mal plus pour réduire léger, le ce délai qui rend nettement de. mieux adapté à la morphologie humaine. Ça coûte combien? Je Ah non, pense qu'il il s'agit manque du 15 même de matériau qu'on ressources. a pu les voir utiliser dans toutes les colonies. Mais ils doivent en produire quelque part sur notre planète. Leurs ressources semblent quasi illimitées. On va finir le contact, ça sera fait, on ira chercher les ressources après. Ouais, en plus, c'est juste à côté du marché noir, comme ça j'irai après. On va finir le relais, on pourra contacter ensuite peut-être et acheter des renseignements. Alors, si, il y a un truc que je voulais faire tout de suite pour pas oublier. Aucun objet? Ah oui, d'accord, c'est celle que je viens de construire. Ok, c'était pas la meilleure grenade. Ce que je voulais, c'était la grenade plasmique. Un cristaux d'hélium, un noyau d'hélium. J'aimerais bien tenter le gardien de l'ombre aussi, un de ces quatre. 25 de ressources, ça coûte pas très cher. Là, je me dépouille. Hein. 75 de ressources, c'est mal quand même. Alors, ça m'intéresse pas. Munitions, j'ai déjà. Armes lourdes, pourrait être bien, mais. Aucun noyau d'hélium, mais bon. Va falloir les construire, l'armure exo, de toute manière, aussi un de ces quatre. Ouh, j'ai bien fait de pas trop me dépouiller. Deux cadavres de soldats Advent. Alors qu'est-ce qu'elle fait de spécial, ça, j'ai pas tout compris. Si nous combinions un prototype d'armure assistée sur laquelle nous travaillons avec certaines des plaques d'Adven que nous avons récupérées, nous pourrions mettre au point une véritable armure variante lourde de notre armure blindée. Plus important encore, nous serons peut-être en mesure de l'équiper d'une arme lourde directement intégrée pour une combinaison aussi puissante défensivement qu'offensivement. Ouais, je construis ça. Pour l'instant, j'hésite entre la grenade plasmique ou le gardien de l'ombre. Le gardien long, c'est que 3 jours et je voudrais pas réaffecter d'ingénieur. De toute façon, 5, 6, 7, 8, genre. Faut que je fasse la grenade et le gardien de l'ombre, je pense. De toute façon, j'aurais pas besoin des ressources puisque je vais essayer de faire le contact. On va lancer Ce l'arme choix grenade. intéressant. Je vous fais signe dès que ce sera terminé, commandant. Nous avons fait plusieurs découvertes, commandant. Sous protection renforcée active. Ok. L'armure du purificateur d'Agven présente plusieurs améliorations conçues pour renforcer la résistance aux dangers environnementaux. Nous avons reproduit certaines de ces modifications afin d'améliorer la résistance de nos sous-protections d'armure. Toutes les objets utilitaires de veste fournissent un PV supplémentaire. Super.
C'est bientôt plus du tout de recherche. Baptisée depuis longtemps Berserker, est génétiquement proche des autres espèces de Goliath rencontrées sur le terrain. Pour une raison encore inconnue, cette variante est unique car totalement habitée par ce que je décrirais comme une fureur incontrôlable, une soif de combat plus grande que chez les autres créatures rencontrées. Ok, donc on va continuer jusqu'à la prochaine mission. Ah si, je voulais vérifier, je pense que j'ai récupéré quelques soldats quand même, non? Ça commence à aller un peu mieux, mais bon. Encore du monde à out. Hein. On a besoin de l'infirmerie. Qu'est-ce qu'il me disait là? J'avais pas des choses disponibles. Carence de scientifiques, mais tu rigoles, j'ai que ça des scientifiques. Ah, tu me dis n'importe quoi là, parce que bon. J'en ai à don, des scientifiques. Nous ne refusons jamais le combat, ce qui nous laisse souvent dans une situation délicate. J'aurais besoin de votre. 95 de renseignements, un grenadier, un scientifique. La horde, Advent a quitté le secteur et l'a laissé en proie à de très nombreux. Donc 95 de renseignements, c'est clair. Commandant, je dois vous prévenir. Nous détectons des ombres dans le secteur. Très difficile. Nos forces devront redoubler de vigilance. Ok, il va falloir emmener les meilleurs. Ouais, c'est là où on aurait bien aimé avoir 32 ressources. Parce que je n'ai plus. Bon, on va s'arrêter là. De toute manière, ça sera la prochaine mission. Ça aurait été une vidéo entièrement destinée à la gestion de base. Je voulais juste regarder un truc. Ah c'est bon, il nous reste toujours deux cases. Bon, prochaine mission, donc une mission avec des ombres très difficile. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Merci à vous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.